le répondeur de Pamela. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Pamela. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bisous. Ah putain, madame. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh putain. Mais quoi, t'as pas deux ans, tu sais te retenir. Et fais pas pipi dans la poubelle. Hein. Non, mais non, non, évidemment, fais pas pipi dans la poubelle. Non, et comme il gerbe dans la poubelle, déjà, on sait dans... jamais. Hein. Fais pas pipi dans la poubelle. D'accord, Marie, merci, maman. Mais... Oh, m'appelle pas maman, ça me fait bizarre. Alors. Alors, on appelle qui? Qui c'est qu'on appelle, Samy? Ben, on peut appeler, on peut faire Roger. Mais Roger, on l'a fait hier. Ah, c'est, ouais, c'est celui qu'on doit rappeler la semaine prochaine parce qu'actuellement, il est avec sa femme. Oui, c'est ça. Donc, si tu veux te faire niquer, c'est la semaine prochaine. Il est occupé. Voilà, donc il a dit. Mais c'est la réponse qu'on avait eue. Tu veux te faire niquer, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Voilà, quand on a appelé, c'est ce qu'il nous a dit. Avec classe, bien sûr. Bien sûr. Lui, il a, je sais pas quel âge il a, mais il sait parler aux femmes. Ah, ben, un homme mûr. 62 ans, il a, si je me rappelle. Ouais, bien, mais mûr même. Bon. On fait Michel, si tu veux. On fait Michel. C'est parti pour le répondeur de Pamela. Le répondeur de Pamela. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Pamela. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Bisous. Et Pamela, tu es là avec nous ce soir? Évidemment que je suis là. Je te présente Michel. Oui, bonjour, Pamela. Enfin, je pense que vous êtes Pamela. Je vous ai laissé un message sur votre messagerie internet. Et puis, en fait, j'aurais souhaité savoir si c'était possible de se contacter et puis de se rencontrer. Mon prénom, c'est Michel. Je vous donne mon téléphone, mon portable, qui est le 06 20 21. Très bien, on va appeler. Pour me contacter. Merci, à bientôt. Très bien, bah merci. Et pour une fois, il a l'air normal. Oui. Hey, t'as du succès, Pamela. Tu sais pourquoi je t'ai dit Roger au début? Parce que le mec, il a laissé un autre message où il se fait appeler Jean. C'est pour ça que j'ai bloqué. Je fais, tiens, mais Jean, Roger, c'est le même numéro. On l'a déjà appelé. Salopard. Et le mec, il rappelle plein de fois. Il change juste son prénom à chaque fois. Oui, bonjour, c'est Jean. Et à chaque fois, il choisit des prénoms. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit. Très cochon et très vicieux. Bon, on appelle Michel. Vas-y, on appelle Michel. Allez, vas-y, Pamela. Oui. Fais la femme, on mène au mieux. Oui, bonsoir. Mieux, comme ça. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Michel. Michel. Merci de laisser votre message. C'est bien lui. C'est la même voix. Au revoir. Au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier... Qu'est-ce que t'as gigoté? Oui, allô, Michel? Ah oui, très fort. Ah, oui, Michel, excuse-moi, j'ai envie de faire pipi. Je te rappellerai plus tard. Mais quoi que tu gigotes comme ça? Mais j'en veux plus, moi. Putain, il faut que j'y aille pisser, quoi. Mais on a plus d'autres numéros à rappeler. Ouais, putain, mais je me retiens. Attends, je me pince la peau. Non. Tu vas y aller? Ouais, là je vais y aller en fait, parce que la peau là elle commence à être pleine d'urine. Bon, avant qu'on ait un hospice dessus, donc on va... Attends, faut envoyer la pub pour maintenant. Ah ouais, alors on voit vite. Bon, alors on revient dans un instant. Hein. On a l'autofoot à faire, Romano se vide et dans un instant... Menton du bien, je lui sers de bavoir avec ses quatre mentons. Mais bien sûr, je suis jaloux, nous dit Docteur Dre. Ce message est mieux, Docteur Dre, celui que t'as mis sur le nez juste avant. Mal. Bon alors, c'est vrai que c'est pratique, Cédric, ton bordel. Ouais, les petites annonces, donc vas-y, c'est parti, Samy, lequel on prend? On peut faire Laurent, si vous voulez. Eh ben, c'est comme tu veux, on écoute une petite annonce donc, qui a été laissée sur le répondeur de Pamela. Oui, bonjour, ici Laurent, j'ai vu une annonce sur Visa Street, je voulais en savoir un peu plus, et parfait, je vais essayer de vous rappeler. Il est parfait. T'as la voix qu'il a, lui. Oui, mais c'est marrant, et toi, tu prends une voix de travelo, mais les mecs aussi, quand ils laissent des messages. Laurent? Oui, allô, ici Laurent? Oui, bonjour, ici Laurent. Allô? Allô? Laurent? Allô, Laurent? 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 Marie. Parle! Allô, Laurent? Voilà. Laurent? 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 Laurent, moi je suis chaude! Oui, mais bon. Oui, bah moi aussi, mais il va. Mais Marie, tu es arrivé trop tard. Oh merde! J'ai l'air moins chaud. Il avait une très belle voix, pourtant, comme je suis déçu. Genre... Non, mais il dormait à moitié, non? Parce qu'il avait une voix. Il captait rien, il n'avait pas dit allô. Fallait l'exciter. En fait. Il dormait à minuit. Ah, mais c'est quoi ce bruit de douceur là? C'est des cris de jouissance, Marie. Oh putain, il avait flippé, t'es. Bah voilà, tu lui fais ça la prochaine fois, Romano. Le mec, il va flipper. Bah oui, non, mais il va croire que tu te fais agresser. Bien sûr que non, il va pas flipper là. À minuit, qui dorment les gens. Ah putain, ah bah non mais bon. Ouais, vendredi soir, ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, non mais Laurent. Moi je dors à 8h du matin vendredi. Ah ouais, d'accord. Bon, Et encore. c'est pas sûr. Et oui, quand bon, appelez-moi un homme au hasard. Moi je veux un type. Appelez-moi tu un veux mec. Un type. Alors un mec, je vais t'en prendre un au hasard, Romano. Oh, je veux du mal. Donnez-moi du mal. Alors du mal. Qui c'est qu'on peut choisir pour toi? J'ai envie de quelqu'un. Bon ben, je balance un message au hasard. Allez, envoie tout ce que t'as. Allez, j'envoie là. C'est parti. Oui, madame, bonjour. Jean-Claude, pour un petit dialogue sympa. 01 45 55. Oui, madame, bonjour. Bon, lui, il est pas mal, là. Ah, il est très bien, lui.
Alors, c'est Jean-Claude. Oui, madame, bonjour. Oui, madame, bonjour. Jean-Claude, pour un petit dialogue sympa, 01-4555. On appelle. Oui, madame, bonjour. Qu'est-ce qu'ils sont sexy, putain. Trouvez pas, non? J'en peux plus. Extrêmement. Ah, Marie, extrêmement, tu trouves. Ah ouais, bah dis donc, ça. On les enchaîne, les mecs. Allez, Jean-Claude. Oui, madame, bonjour. Mademoiselle. Ah, mademoiselle Pamela, c'est ça. Bon, mais personne. Il n'y a même pas de répondeur, lui, tiens. Bon, tant pis. Il n'est même pas équipé le man. Mais ils dorment à minuit 6, les gens. C'est quand même hallucinant, ça, comme truc, de dormir à minuit 6. Oh, merde. Bon, alors, une petite, une autre. Ah, attention. Bonjour, j'ai très envie. J'attends l'appel d'une bonne salope d'un jeune différent pour une super baisse au téléphone 06 41 92. Il a craqué, lui. Allez, il craque. Au début, il est normal, mais pas longtemps, en fait. J'ai bien envie d'une bonne salope. Il est normal. Bonjour, j'ai très envie. J'attends l'appel d'une bonne salope d'un jeune différent pour une super baisse au téléphone 06 41 92. Voilà. Oh, bah dis donc, je crois que je correspond à la description qu'il cherche. Mais tout à fait, vas-y, appelle bonne salope. Il y a pas de prénom, là. Pas de prénom. Non, pas de prénom. Ils sont ouf, ces mecs. Ah non, ils prennent un peu de plaisir. Ils prennent un peu de plaisir. Allez, allez. Vas-y. Allez, allez. Bon, bah écoutez, j'en ai un autre. Je suis une bonne salope. Bonjour, vous êtes bien au 06. C'est le même. Ouais, ah, c'est il vient du sud, Samy. Il y avait bien... Je suis momentanément absent. Ah, momentanément. Mais je vous rappellerai dès mon retour. Vas-y, Marie, laisse un message. Fais salut, c'est Pamela. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonsoir, c'est Pamela. Écoute, j'ai essayé de te joindre. Je t'ai eu sur le réseau, donc je te rappelle. Super, Lucas. Je te rappelle tout de suite. Donc lui, vous nous y faites penser lundi, on l'appelle. Là. Allez, il faut noter. Bonjour, comment j'ai très envie. J'attends l'appel d'une bonne salope d'un jeune différent. Pour... Mais à un moment, il se bloque. J'ai pas entendu bonne salope. Il se transforme, le mec. Oui, j'ai très envie. J'ai appelé d'une grosse salope. Un vagin différent d'une bonne salope. C'est quoi qu'il appelle d'ailleurs un vagin différent? Vagin différent. Bah, il y en a différentes, quoi. Oui, il dit vagin différent. Ouais, vagin différent. Putain, c'est très classe. Peut-être parce ça donne envie. C'est peut-être parce qu'il a une meuf et que. Ah, peut-être. Il cherche un nouveau vagin. Ou alors un truc complètement déformé, il veut. Bon, Pamela, dernière tentative pour ce soir. C'est parti, on appelle. Ah, oh, moi j'ai le vagin très différent, j'ai un trou du cul. Ah, bah, ça devrait lui plaire à l'autre, là, juste avant. C'est qui, là? Bah, j'ai pas de prénom non plus. Pas de prénom. Pas de prénom. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Pamela à l'appareil, comment ça va? Comment? C'est Pamela à l'appareil. Excuse-moi, je suis un petit peu enroué. Ah, je vous écoute, oui. Oui, donc je t'appelais par rapport au message que tu as laissé. Au médecin? Oui, non, je cherche à faire des rencontres, moi, avec des hommes. Vous cherchez à faire des rencontres? Oui, donc je pense que toi aussi, non? Si vous voulez venir, je suis à la station. Ah, tu es à la station? Oui. Ah, mais écoute, parce que moi, je suis la pompeuse des stations. La pompeuse? Oui. Donc vous vous pompez l'essence ou vous pompez Je pompe les bites. Ah, d'accord. Vous êtes championne? Oui, championne. Donc toi, tu es grosse bite, on m'a dit. Vous appelez d'où? Ben là, j'appelle de ma voiture. Je peux être là dans 5 minutes. Vous savez ma station? Oui, je connais la station, ouais. Allez, soyez la bienvenue. Ben, j'écoute, je viens et je te suis sous le comptoir. D'accord. Ah, ben, il y a des douches. Oui, il y a des douches. Ah, ben, écoute, tu iras me baiser sous la douche. D'accord. Ah, ben, écoute, je suis là dans 5 minutes. Ah, ben, je vous attends. Tu as une grosse bite. Hein. Ah, ben, tu vas la voir, hein. Ah, ben, dis-moi comment elle est grosse. Et toi, tu as un bon vagin? Ah, moi, j'ai une bonne chatte, moi. Eh ben, on va la voir, hein. Bonne chatte, je te la fais écouter. Ah, j'espère que tu vas me pilonner les fesses, toi. Ah, tu as des beaux fesses? Oui, j'ai un beau cul bien rebondi. Ah ben, je vais te baiser par les fesses, par les fesses. Ah ouais, parce que j'ai un bon trou du cul aussi. On va peut-être y aller, non? Ah, ben écoute, je suis là dans 5 minutes. Voilà, salut. Tu as des capotes, hein? Oui, on a des capotes. Ah ben écoute, c'est très bien, j'arrive. À tout de suite. Qu'est-ce que je vous avais dit? Bravo, hein? Pamela, mais quel gars. Allez, en plus, il était chaud. Oh, je vais me faire culbuter dans les douches de la station. Tu vas aller dans une station-service passer la nuit, Romano. Tu nous raconteras lundi. Hein. Ah, ben, je pense que je vais marcher en canard, ouais. Bah, si tu marches en canard lundi, on saura pourquoi. Très, très, très chaude, Pamela. Le gars aussi, il était chaud. Et voilà, Pamela séduit ce soir. Sympa, le gars, en tout cas.
Ah bah sympa, il veut... Ah bah tu vois, Pamela, t'as eu quoi? En 2 minutes, déjà tu l'avais dans la poche. Ah nickel. Nickel. Eh bah voilà, super. Ah. Mission réussie alors. Mission accomplie, je vais en avoir plein le cul. Bon, bon et lundi, on en retrouve d'autres là. Et merci, vous nous avez fait la traduction de la petite annonce. Tiens, écoutez. Bonjour, j'ai très envie. J'attends l'appel d'une bonne salope d'âge indifférent pour une super baisse de téléphone. D'âge indifférent. Ouais, ouais, ouais. D'âge indifférent. Et voilà, vous avez compris. Donc, c'est une bonne salope d'âge indifférent que tu seras lundi, Romano. Oui, je suis salope. Romano, tu peux redevenir Romano. Ah, je voilà, ben lundi, voilà, je serai oui, prêt. Tu seras, voilà. En plus, j'aurai la voix bien reposée, je serai plus féminine que jamais. Oh, ben lundi, beaucoup de sensualité dans l'émission. Vivement lundi soir. J'espère que ça vous a plu. Hein. Ah, ben c'était super. Non, c'était bien. Bravo, Romano. Non, non, mais tu m'avais dit, je vais y arriver. Moi, je t'ai dit, tu n'y arriveras jamais. Ouais, bah écoute, si, voilà, si, ça y est, l'affaire est dans le sac. Et voilà, bien fait.